Salut, c'est Dayou, on se retrouve sur FTL épisode 2 avec le, j'ai oublié son nom, le cramé Lola. En effet, il va bientôt être cramé, et c'est la merde. Je crois qu'on avait défini ça, que c'était la merde, il y a un magasin ici et qu'on n'a pas de thunes, et que c'est la merde, voilà. Donc on va progresser dans cette partie où c'est la merde, pour voir que on a des armes, oui, mais j'ai déjà un laser anti-coque 2 qu'il faut que j'améliore. Je n'ai rien à acheter. C'est prévisible. Et on va continuer à progresser. Le concept, ce serait peut-être de ne pas mourir et d'essayer de... ouais, un petit vaisseau rebelle dans les parages, rééquipé pour le transport, je vais lui péter sa gueule. Et il met son FTL en charge. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord avec ce concept. Donc je pense que, dans l'optique de ne pas être d'accord avec ce concept, on va attaquer le pilotage. Ok, ils sont en train d'attaquer mes portes. Ok. Vous pouvez attaquer mes portes. Allez-y. Le pire, c'est qu'ils vont détruire mes portes, qu'ils n'ont pas besoin de respirer ou... Ouais. Ok, ils sont rentrés dans l'armement. Et c'est vrai que si mes portes sont cassées, ça va poser problème. Ça va poser problème, surtout que bon, ça va être dur d'aller attaquer ici. Combien ils sont? Ils sont 1. Ah, ok. Ils devraient pouvoir s'en occuper sans trop de problème. Ok, c'est pas le bon qui a été pris. Ok, c'est une clone bay. Ils ont une clone bay. Hop, on va faire ça. On va les envoyer aux soins. Toi, tu vas retourner au pilotage. Sans mourir de préférence, merci. Et je vais... De toute façon, mon laser simple, il peut tirer, mais ça ne sert à rien. Donc, réfléchissons. Ok. Vous êtes ready. Vous allez vous placer ici. Toi, tu vas aller te soigner. TP dans la clone bay. Ok, dans l'oxygène. Alors, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc en fait, on ne peut toujours pas ouvrir la porte, c'est normal. Donc je vais lui péter sa gueule. Et on va péter cette clone bay. Voilà. Vous savez qu'ils vont moins nous faire chier. Ok. Ah, le vaisseau ne combat plus, mais vous détectez encore des signatures de vie. Apparemment, c'était un transporteur de prisonniers. Le seul survivant offre de rejoindre votre équipe. Allons chercher sa liberté. Johnson, bienvenue. Bienvenue, Johnson. Oui, Johnson. Vous êtes le bienvenu par ici, parmi nous. Pour nous rejoindre. Et j'ai pas le drive avec les noms. Bah, vu que j'ai pas le drive avec les noms... Bah voilà, ça va être Dayoum. Voilà, je suis dans mon propre vaisseau, je vous emmerde. J'ai oublié d'ouvrir le drive, c'est my bad. C'est complètement ma faute. Alors, là par contre, on va avoir besoin. Qui est notre meilleur mantis en réparation? Personne, parfait. Alors, Dayoum et Tibaka. Donc, moi et Tibaka. On va réparer les portes, vite. Avant de mourir. Hop, fermez toutes les portes, foutez-vous foutre dans un endroit où il y a de l'oxygène, voilà, merci. Maintenant, partez à la medbay, vous soignez, parce que c'est un concept assez appréciable, le fait de pouvoir se soigner. Il faut combien pour les armes? Il faut 40 plus 20, qui est une somme. Et oui, j'enlève le soin alors que j'en ai besoin, mais cherchez pas, c'est une technique secrète qui me permet de boire du coca, en effet. Alors. Je suis à son poste, merci. Et je vais avoir besoin de Dayoum au bouclier. Voilà, on sauvegarde les positions. Et on va pouvoir faire détresse, quête
détresse, rien. Quête. Ah non, c'est vrai que c'est nous. Ouais, il faut qu'on fasse tac, tac, et on remonte, et ensuite on pourra descendre. Donc on remonte vers la détresse après la quête. Bizarre de dire on remonte vers la détresse. Et cette image de faible et affamé humain arrive sur votre écran. Ces bâtards de métal pensent qu'ils peuvent nous absorber la moitié de nos moteurs et nous laisser mourir ici. J'espère que vous comprenez le fait qu'on a un peu faim et que moi vous baissez la gueule. Non, j'espère que vous comprenez le fait que tout le monde va aller dans la medbay et qu'on va ouvrir toutes les portes sauf celle-ci. J'espère que c'est un concept que vous arrivez à comprendre. Oui, voilà. Bonjour, bienvenue. Comment ça va par chez vous? Parce que par chez moi, ça va plutôt bien. C'était pas trop dur. Ça s'est plutôt bien passé. Le problème, c'est que c'est un secteur où on n'a rien gagné, genre pas une thune, que dalle, nada. Raphaël, nada, non, c'était pas très drôle comme blague. C'est pas de ma faute, je fais les blagues que je veux, bordel. Voyons. Hop, tout le monde à son poste. On va pouvoir jump vers la quête, puis remonter vers le signal de détresse. Et on va commencer à moquer de fuel. Et on est qu'au secteur 2. Emplacement connu du marchand. Après un scan rapide, vous trouvez un vaisseau pourchassé par un pirate, soit le vaisseau de livraison disparu. Vous avancez pour porter secours. Et portons secours en détruisant les armes à ce petit bâtard, parce que bordel. Oh, il y a un Lanius. Faut qu'on pète la gueule au Lanius. Les Lanius, en fait, c'est cette race-là. Et ils ont tendance à aspirer très légèrement l'oxygène de leur... bien de voilà. Bon, on a gagné. C'était pas trop dur. Merci. Donc voilà, merci, c'était un bon plan, bon plan. J'ai bien aimé. D'ailleurs, je sais même pas. Attendez. Déjà, j'améliorerai mes armes. Hop, hop, voilà. Oh, le petit laser anti-coque, ça fait au moins on a deux tirs. On va commencer à pouvoir faire des dégâts en dehors de des invasions. C'est quand même quelque chose de sympathique. Moi, j'apprécie. Tout particulièrement. Alors... ok, bon, merci. Le problème, c'est qu'on manque de fuel et j'ai l'impression qu'on gagne pas de fuel en faisant ces invasions. Ce qui est plutôt triste. Donc, niveau thune, on est un peu moyen. Une balise de détresse émet faiblement d'un vaisseau rogue dans ce système. Sa coque et son équipage est en train d'être miné par les Lanius. Laser et armes déchirantes par le vaisseau. On attaque le vaisseau Lanius. Bon, bah c'est parfait qu'on ait laser anti-coque parce que les vaisseaux Lanius, comme vous le savez en fait, étant donné que les Lanius sont une race qui n'ait pas besoin d'oxygène, bien il n'y a pas d'oxygène dans leur vaisseau. Moi c'est très probable qu'il n'y ait pas d'oxygène. Donc bon. Aïe. Merci. Donc le concept, je vous explique, le concept c'est de mettre en sécurité moi-même. Ah, pendant que le pilotage prend des dégâts, qu'on perd les boucliers, tout ça, normal. Mais ta gueule le chat. Bordel de merde. Mais arrêtez de mettre le feu partout. T'as le chat qui... Bon, je reviens, je vais voir ce que veut le chat. Heureux. Alors donc, c'est la merde. Alors, on va... fermer ça, on va aider à la réparation de ça. Toi tu vas aller aux portes. Est-ce qu'ils vont en même temps, on a plus d'armes. C'est parfait. C'est la run la mieux de toute ma carrière. Allez, tous réparer les boucliers. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quitte à me mettre au fond, autant le faire jusqu'au bout, tu vois, c'est hein, vraiment là, moi j'apprécie. Bah bien sûr, le feu, il est pas fini dans les armes, bien sûr, je regarde pas, moi. Ah, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. J'imagine que le missile va toucher les boucliers. Ah non, bah oui. Oh, c'est encore mieux. C'est déjà qu'on avait des problèmes d'oxygène. Voilà, hein. C'est... Mais à quel point ce jeu, il m'aime pas, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait contre ce putain de jeu? J'ai rien demandé, moi. Je veux juste faire... Bah bien sûr. Mais oui, mais allez-y, allez, crevez tous. Mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on fait. C'est... Bah oui, bien sûr, balance le missile sur les portes, comme ça je peux plus fermer les portes. Mais bien, en plus, il y a une brèche dans l'oxygène. Hop, bah, c'est fini, on a perdu, c'est tout, c'est... c'est... Allez,
Voilà, c'est fini. On a perdu. C'est génial. Putain de jeu de merde. Le jeu, il m'aime pas. Je suis désolé, mais le jeu, il m'aime pas. Là, le jeu, il m'a insulté. C'est le jeu, il m'a dit, ferme ta gueule, enculé, t'as peut-être gagné la run précédente, mais non, c'était pour, genre, que tu, je sais pas, pour donner un espoir, mais non, le jeu, il me met des doigts dans les couilles, il me met des doigts dans les couilles, c'est même pas possible, mais il y arrive, tu vois. Donc, c'était Dayum. Mot de la fin. Le sel.